Shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Quelle grâce, quel honneur pour nous de nous retrouver encore dans notre soif du Seigneur à travers ce live. Regardons ensemble quelques dispositions essentielles pour rendre ce moment agréable à notre Seigneur Jésus. Bien entendu, étant confortablement installé devant votre écran pour suivre ce live, ayez une pensée pour au moins 5 personnes que vous voulez voir profiter de ce moment en taguant leur nom dans les commentaires. Pour permettre à plus de monde de visionner et d'être béni par ce live, mettez les cœurs, commentez et partagez sur le réseau social où vous êtes connecté. Dans les commentaires, précisez également le pays depuis lequel vous nous suivez pour permettre au pasteur de vous saluer depuis votre position. Pendant que vous suivez le live, ne soyez pas passif. Adorez avec les chantres, dites-les Amen, répétez les déclarations et mettez-vous en prière quand le pasteur le demande. À l'issue du message, écrivez la parole forte qui vous a marqué, faites le résumé du message et partagez cela avec vos proches. Enfin, pour votre témoignage que vous voulez partager au pasteur, faites une note vocale de ce témoignage en précisant au début de la note vocale « Témoignage live ». Ensuite, envoyez votre témoignage en inbox sur la page Facebook du pasteur ou sur le numéro WhatsApp plus 225 01 01 28 42 31 07 47 69 98 88. Espérons que vous êtes déjà en train d'appliquer ces recommandations. Notre prière, c'est que vous ne manquiez aucun moment du live tout en profitant pleinement de la présence de notre Dieu. Au-delà du chant, je veux rependre mon cœur dans ta présence. Au-delà de la mélodie, Saint-Esprit. Entends mon cœur, entends mon cœur. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence. Ce pain jour après jour. Oh, oh, ce pain jour après jour. C'est ta parole.
respire. Alléluia. Cette terre que je respire. Alléluia. Cette terre que je respire. Cette terre que je respire. C'est ta présence. C'est ta présence. Et la main de l'Oshaï. Qui vit en moi. On va le dire encore, c'était que je respire. Alléluia. Cette terre que je respire. Cette terre que je respire. Cette terre que je respire. C'est ta présence. Ta parole, c'est ta parole. Donnez pour moi, donnez pour moi. Ce pain, jour après jour. Je suis perdu sans toi.
suis perdu sans ton Jésus. Moi je suis perdu sans ton je veux te dire que je veux rester là. C'est pourquoi, parce que je suis perdue sans toi, je veux demeurer dans ta présence. Je veux rester là, à côté de toi, là où est ton cœur, là où tu te trouves. Je veux rester là, dans ta présence. Je veux rester là. Je veux rester là. Ne me laisse pas sortir. Même quand je vais penser que Dieu est mieux, non, ne me laisse pas partir. C'est pas toi qui vas me laisser, c'est moi parfois. Je veux vouloir te laisser, mais ne me laisse pas. David pouvait dire, prends-moi tout, mais ta présence ne me la prend pas. Ton esprit ne me le prend pas. Je veux rester devant ta face, je veux rester plus près de toi. Je veux rester là devant ta face pour que tu aies le regard sur moi comme un père qui surveille son enfant. Je veux rester devant ta face pour que tu regardes mes faits et gestes, pour que tu me dises non, pas par là, mais par ici. Pour que tu me dises non, pas ça, mais ça. Pour que tu me dises je n'aime pas quand tu fais ça, mais je veux que tu fasses ça. Oh, maniana ma soupali a ragadelos, milalo soupali, la bali kanana mosi, shadana braikitana madelos, ipali shadana. So
fait, nous voulons te dire merci. Nous voulons t'exalter au-dessus de toutes choses. Nous voulons te célébrer. Merci pour ta présence ici ce matin au milieu de nous. Seigneur, nous ne voulons que toi. Seigneur, nous ne sommes connectés qu'à toi. Et c'est vers toi que nous nous tournons. Grâce et gloire à toi au-dessus de tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Je veux passer au micro normal. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que son nom soit exalté. Amen. Alors, ce matin encore, nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu. Et nous voulons saluer les internautes qui nous suivent avec une grande fidélité depuis de longs moments maintenant. On pourrait m'afficher les noms. Alors nous saluons tous, chers internautes, que nous saluons de là où vous êtes, dans la salle aussi, nous saluons. Est-ce que quelqu'un peut prendre son téléphone et partager? Voilà, prends ton téléphone s'il te plaît et partage. Nous sommes en live et en présentiel en même temps. Je peux commencer à soutenir. Nous venons les deux et nous bénissons le Seigneur. Amen. Ce qu'il fait. Voilà. Amen. On pourra me dire si je peux basculer avec cette étude. Ou si je reste là, voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit élevé, amen, que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Alors, nous sommes en train de... Est-ce que ça a été partagé? Je n'ai pas vu. Est-ce que tu peux prendre ton téléphone déjà? Et puis, liker, partager, vous aussi qui nous suivez en ligne. Bon, je n'ai pas su mon retour, les différents noms. Je vais essayer de regarder si... je peux, voilà, autant que je peux, autant que je puisse. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce matin? Amen. Ben, nous aussi, nous sommes très très contents. Donc, on va liker, on va partager. Claudine Bamazi, voilà, je te salue. Sabine Exaucé, Shinto, je te salue. Mais pourquoi tu n'es pas dans la salle? Tatiana, Josiane, Quadio, Flora depuis le Congo. Tioko, voilà le frère Tioko, Ange Patrick, bon, bref, Dieu soit béni, Dieu soit glorifié de là où vous êtes. Nous sommes très, 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 très heureux de vous retrouver dans la présence de Dieu. Alors, bienvenue à l'école des amoureux du Saint-Esprit, à l'école du Saint-Esprit. Depuis quelque temps, nous sommes en train de parler véritablement d'une nouvelle offre, j'ai envie de dire spirituelle. Cette offre n'aurait jamais dû être une nouvelle offre, mais c'est parce que c'est la parole de Dieu. Et comme je le dis dans tous mes propos, la Bible dit en Romains chapitre 5, verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne d'aimer Dieu. Une des fonctions majeures du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, c'est de nous emmener à aimer Dieu. Ce matin, je souris d'avance parce que... j'espère que jusqu'à la fin du message, vous allez continuer à m'aimer. Alléluia. Voilà. Mais très sérieusement. Très sérieusement. Vous allez voir que ce que j'ai dit est vrai. Mais en même temps, vous allez vous rendre compte. Ce matin, les ambitieux, on va vraiment se parler ce matin. Hein, les gens très ambitieux, nous vous saluons. Nous avons tous de l'ambition. Mon objectif n'est jamais de créer autre chose dans le cœur des uns et des autres. Bon, si tu es dans la salle, tu souris. Hein, sinon, après... tu aurais pu rester en ligne, quelqu'un dit amen. Amen. Voilà, ça va? Ok. Donc, nous sommes en train de parler des amoureux de Dieu. J'ai simplement constaté au travers des Écritures, qu'en réalité, nous nous fatiguons. Il y a les faveurs que Dieu donne à ceux qui sont des amoureux. Au niveau de la régie, il y a des faveurs que Dieu donc nous donne. Où j'en suis? Sur quel micro? Je préfère continuer avec celui-là. Donc, je disais que... Alléluia. Amen. Donc, je disais qu'il y a des faveurs que Dieu donne. Le Seigneur a une façon de simplifier la vie de ceux qui ont simplement compris quelque chose. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris simplement que, aussi longtemps que... nous considérons Dieu comme un père. Déjà, il y a une première donne. Le Seigneur est censé pourvoir nos besoins, tranquillement, sans souci. Mais il y a même mieux, parce que aussi longtemps
que nous nous mettons dans la position de l'épouse. Normalement, un mari normal ne fait pas payer de loyer à son épouse. Voilà, un mari normal, peu importe les cultures, il y a un minimum. Un mari normal ne s'assoit pas à la maison pour que sa femme la nourrisse. Donc, la dimension de foyer, la dimension d'amour, la dimension de couple, là, elle donne droit à de nombreux avantages. Il ne faut pas que ça reste simplement des vœux dans nos cœurs. Il ne faut pas qu'on le dise et que ça ne change pas nos comportements, nos agissements. En fait, la Bible dit dans le psaume 127, par exemple, à partir du verset 1 et 2, au niveau de la régie, si on peut faire preuve de rapidité, psaume 127, verset 1 à 2, psaume 127, verset 1 à 2, psaume 127, verset 1 à 2. Alors, cantique des degrés, il faut bien noter ça, cantique des degrés de Salomon. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Notez bien, c'est un cantique de Salomon, et nous connaissons tous la vie de Salomon. Moi, j'observe Salomon, j'ai vu Salomon, quelqu'un qui n'a pas lutté pour devenir ce qu'il devrait être. Je vois un homme à qui Dieu a donné sagesse, sans qu'il ne, richesse et renommée, alors qu'il a juste demandé la sagesse. Salomon a juste demandé la sagesse, non pas pour lui-même, non pas pour s'afficher comme quelqu'un de particulièrement sage, mais il a dit pour gérer le peuple de Dieu, pour gérer le peuple de Dieu. Ça, pour gérer le peuple de Dieu, ça c'est un véritable amoureux de Dieu. Pourquoi? Parce que le véritable amoureux de Dieu, dans toutes les définitions que nous avons eu à partager, premièrement c'est quelqu'un qui veut ressembler à Dieu. C'est quelqu'un qui veut ressembler à Dieu, qui travaille à ressembler au Seigneur dans son caractère, dans sa manière de parler, dans sa manière de faire. Deuxièmement, c'est un assoiffé de la présence de Dieu, assoiffé de la présence de Dieu. Troisièmement, un amoureux du Seigneur, c'est quelqu'un qui aime. David a dit ceci, il dit je veux demeurer dans ta présence. Il dit une heure dans tes pavis, amoureux, assoiffé de la présence de Dieu. Troisièmement, aime l'environnement du Seigneur. J'ai dit, amen. Porte les fardeaux de Dieu. Amen. Je veux le dire comme ça. Un vrai amoureux de Dieu, c'est une autre définition que je donne. Porte les fardeaux du Seigneur. Il porte les fardeaux du Seigneur. Il porte les fardeaux du Seigneur. Si vous voyez autour de vous quelqu'un qui a tendance à porter les fardeaux du Seigneur sont plus ou moins connus. Hein. Dans les fardeaux du Seigneur, il y a quoi? L'évangélisation, le salut des âmes, n'est-ce pas? La veuve, l'orphelin, n'est-ce pas? Ce qui tient à cœur à Dieu à une saison, à un instant T, dans une saison donnée. Mais on sait que les âmes soient sauvées, c'est quelque chose qui importe au Seigneur. On sait que la maison du Seigneur fonctionne comme il se doit. Ça, c'est très clair. Ce sont des choses qui tiennent à cœur un amoureux de Dieu. J'ouvre simplement une parenthèse pour expliquer ça, mais un amoureux de Dieu porte les fardeaux du Seigneur. Salomon, dans le psaume 127, on peut me ramener le psaume, dans le psaume 127 que nous sommes en train de lire. Psaume 127. Salomon, dans le psaume 127 que nous avons lu tout à l'heure, il va le dire que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ça dit, Dieu a la capacité de garder la ville. Dieu a la capacité, n'est-ce pas, Comme je dis, Dieu a la capacité de bâtir la ville. Dieu a la capacité de garder la ville. Tu n'as pas à forcer pour garder la ville. Tu n'as pas à forcer pour bâtir ta vie. Ça, par exemple. Tu vois, Dieu a la capacité de le faire. Il a la capacité, il peut le faire. Mais tout dépend de la manière dont tu te rends disponible à lui. Va continuer par dire dans la suite du verset. Il dit, en vain vous levez-vous matin. Notez bien ce qui est écrit. En vain vous levez-vous matin. C'est-à-dire, il dit, vous couchez-vous tard. Il dit, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer autant. C'est quelqu'un qui a expérimenté Dieu. Ce n'est pas une personne à qui on a dit, Dieu prend soin des gens. Non. C'est quelqu'un lui-même. Là. On lui a dit, son père lui a dit, mais il a vécu ça. Il est le prototype. C'est un gars ordinaire, pas trop extraordinaire, j'ai envie de dire même spirituellement, pas forcément le meilleur spirituellement. Hein. Ce n'est pas une affaire de meilleur ou bien de dimension spirituelle pour savoir combien de fois, quel est le niveau de terrain. Non. C'est un homme, un jeune homme, à ce moment-là, ordinaire, tranquille, mais qui a vu Dieu s'occuper de lui dans toutes les dimensions. Il a vu le Seigneur s'occuper de ses circonstances. Il a vu Dieu... Il a vu Dieu se mettre au devant, comme si Dieu donnait sa poitrine pour lui.
Il dit ceci, vous vous levez, il dit vous faites trop d'efforts pour vous en sortir. Il dit vous vous levez tôt, vous vous couchez tard, vous mangez le pain de douleur, vous souffrez. Vous dites, selon vous, vous vous battez pour réussir. J'ai un vrai problème avec cette expression, mais ce n'est pas grave, disons ça. Il dit, vous vous battez. Il dit, vous vous battez pour réussir. Il dit, mais il y a une chose, c'est que Dieu donne autant. Ça veut dire quoi? Ah, c'est bien-aimé. Le mot bien-aimé, là, ça veut dire quoi? Le mot bien-aimé, ça veut dire les amoureux de Dieu. Dieu donne autant à ceux qui sont amoureux de lui pendant leur sommeil. Il n'a pas dit à quelqu'un d'aller dormir, mais il dit que si quelqu'un peut travailler à devenir un amoureux de Dieu, un vrai amoureux de Dieu. Lui, il a vécu, hein, donc il peut le dire. N'est-ce pas? Il a vécu, donc il peut le dire. Salomon, quand il dit, par exemple, donne-moi la sagesse pour conduire ton peuple. Il n'a pas dit, donne-moi la sagesse pour que la terre sache qu'il y a un sage. Non. Il dit, donne-moi la sagesse pour construire ton peuple. Comment je sais que c'est un amoureux de Dieu? C'est-à-dire que même les choses importantes et utiles du quotidien, il les considère dans la perspective du royaume. C'est-à-dire, il ne peut pas dissocier ses intérêts des intérêts de Dieu. D'ailleurs, même, ce n'était même pas ses intérêts. Il dit, c'est ton peuple. Il n'a pas dit, le peuple sur lequel tu m'as établi, là, j'ai besoin de sagesse parce que ton peuple, c'est-à-dire, ce qui est à toi, là, ne peut pas s'égratter. Ce qui est à toi ne peut pas mal fonctionner. Tu vois, que vous le voulez ou pas, on est dans un système où les gens veulent le faire. Et tant qu'ils font, ils ont l'impression qu'ils sont agréables à Dieu parce qu'ils font. Excusez-moi, mais il n'y a pas grande chose à faire. Il y a un cœur à avoir. Il y a juste un cœur à avoir. Il n'y a pas d'abord des œuvres à produire. Bien sûr, le cœur va produire des œuvres. Mais il y a juste un cœur pour Dieu. Regardez par exemple Anne. Anne veut un enfant. Et elle va lui dire ceci. Je veux un enfant pour qu'il soit prophète en Israël. Je veux un enfant pour que je te le redonne. Ce n'est pas je veux un enfant pour moi. C'est-à-dire que l'amoureux de Dieu, même quand il considère tout ce qui peut, dans la vie, on peut rechercher. Par exemple, il veut un bon poste. Il ne veut pas un bon poste pour lui, juste pour lui et pour sa famille. Il veut un bon poste pour pouvoir peut-être avoir beaucoup de moyens, pour pouvoir être utile dans la maison davantage. Il veut des entreprises qui marchent. Tu vois, ce sont pas... Il a ôté ses propres sandales. Tu vois un peu? Et ce sont... Il dit, ôte tes sandales car la terre sur laquelle... Il ne poursuit pas ses propres objectifs. C'est ceux du Seigneur. C'est ceux du Seigneur. Il veut avoir une position pour influencer le plus grand nombre. Et il a vu Dieu. Il a vu Dieu. Il a vu Dieu le propulser. Vous savez quoi? Il n'y a jamais... Quand on vous lisez les livres, quand on vous explique la fortune de Salomon, est-ce que vous savez que Salomon, il a créé même des médicaments, il est devenu pharmacien. Tu sais ça? Il faut bien lire l'histoire. Salomon a eu des entreprises navales. Oui, il n'a pas fait que régner sur Israël. Il n'a pas cherché l'argent. Il est devenu riche. Je crois que, avec Dieu, on n'a pas besoin de chercher l'argent pour devenir riche. Ce que je dis là va gêner beaucoup de personnes. Jusqu'à la fin, on va voir. Si je tords, j'apprendrai avec vous. Mais je dis une chose. En fait, quand on dit ne cherche pas l'argent, cherche Dieu, parce que Dieu donne l'argent. Tu sais quelle différence ça va faire? Quand tu cherches l'argent, tu vas réfléchir à savoir qu'est-ce que tu dois faire pour avoir l'argent. Mais quand tu cherches Dieu, il va te donner une idée qui va te permettre d'avoir l'argent. Amen. Tu vas te faire l'économie de la réflexion pour savoir qu'est-ce que tu dois faire. Amen. Tu vas te faire l'économie de la frustration que certains peuvent avoir à regarder. Même quand ils pensent à faire, ils sont en train de regarder quelle est l'affaire qui marche. Toi, si ce n'est pas Yango, tu ne peux rien faire d'autre en fait. Tu vois, mais parce que ton objectif, c'est tu veux devenir riche. Donc, tu veux t'aider toi à devenir riche. Tu veux réfléchir, parce que, et puis ça semble bien. On dit, Dieu m'a donné une intelligence. Faut que je l'exploite. Bon, ok, vas-y, exploite ton intelligence. Regarde la forme de pression que tu te donnes. Est-ce que vous savez que chaque passion que vous avez dans le cœur crée un feu? Ça crée un feu dans votre vie. C'est-à-dire, quand tu te passionnes exagérément pour quelque chose qui n'est pas Dieu, ce qui va se passer, tu auras du stress et de la pression. Par rapport à ça, je suis devant, hein, tu vois, je suis en train d'écrire un livre sur la souffrance et la difficulté. Mon livre là sera bizarre. Je dis, mais de notre évangile a disparu la notion de souffrance. On ne souffre plus. On n'admet même pas qu'il y ait des difficultés. On n'est pas préparé à ça. Mais tout ça parce que ça se comprend, hein, ça se comprend. Bon, bref, tu vois, je dis, on peut devenir riche.
sans chercher à être riche. On peut être brillant sans d'abord avoir... Dieu nous a donné une intelligence qu'on doit exploiter. Être amoureux de Dieu va changer votre vie. Amen. En fait, ce matin, dans la suite de mon débat, dans la suite du débat justement, j'aimerais qu'on puisse lire un passage. Et ce passage, il se trouve en Matthieu chapitre 6, à partir du verset 24 jusqu'au verset 34. Passage que nous savons tous. La plupart des chrétiens, j'ai observé, je vais le dire tout à l'heure, observant notre vie, il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Voilà le problème qu'on a. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas. Mais tu vois, il dit ne vous inquiétez pas. Tu aurais aimé ne pas t'inquiéter. C'est pas vrai? Mais pourquoi tu t'inquiètes? Aujourd'hui, là, c'est étrange. Hein? C'est-à-dire que avoir une vie paisible, être en paix avec Dieu, avec peu, même pas avec grandes choses. J'ai le minimum vital, mais je suis en paix avec Dieu. Aucun chrétien ne l'admet. C'est comme s'il est devenu une défaite. Et notre évangile nous dit qu'il est une défaite. Parce qu'on a réalisé que Dieu nous a réservé l'abondance. On se dit, Dieu, il y a même l'abondance et la surabondance. On doit régner sur la terre. On doit avoir l'argent. Tu vois, peu importe ce qu'on peut mettre derrière. Mais il dit ceci. Il dit, vous vous inquiétez. La plupart des gens qui ont des problèmes avec Dieu, ont des problèmes avec Dieu, ou en veulent à Dieu, non pas pour leur relation avec Dieu, mais en veulent à Dieu pour leur situation. Ils en veulent à Dieu pour leur situation. Mais on a créé un système on a créé un système spirituel, mais qui a fait naître dans le cœur des gens une convoitise, mais pas possible des choses. Mais on ne se rend pas compte. Pourquoi? Parce que ça fait en même temps bien. Pendant longtemps, les chrétiens d'avant, hein, je dis entre guillemets, les chrétiens d'avant, les vieux chrétiens, tu vois, et je n'ai pas envie de citer une dénomination. Si vous voulez, j'allais en citer ici. Ce sont des gens, dans leur vie, là, c'était pas je veux devenir riche, je veux voyager. Vous les connaissez? Ils mettent des foulards. Ils aiment la simplicité de la vie. Tu vois un peu? Quand nous on regarde, on dit non, ce sont des entre guillemets, on a envie de dire, ben, leurs yeux ne sont pas ouverts. Leurs yeux ne sont pas déjà sur la terre ici. Tu vois? La Bible a dit dans le livre de Proverbes que je retrouve cela. La Bible dit, Proverbes chapitre 17, verset 1, on n'a pas besoin de l'afficher. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix. Avec la paix avec Dieu. Je n'ai pas grande chose. J'ai ma petite vie. Mais je suis en paix avec Dieu. Je me sens. On ne peut plus être heureux. C'est étrange, mais on ne peut plus être heureux simplement de ce que ça aille bien dans notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, ce qui fait qu'on est heureux, notre épanouissement, on ne le lit pas à la qualité de notre relation avec Dieu. On lit notre épanouissement à l'acquisition des symboles extérieurs, n'est-ce pas, de la réussite sociale et matérielle. C'est ça. Ces gens-là, ils n'étaient pas malheureux. Hein? Ceux qui sont autour de nous. C'est-à-dire qu'on leur a prêché un évangile. On n'a pas dit de devenir pauvre. Comment on peut venir te prêcher? Je ne suis pas en train de dire de devenir pauvre. Mais je dis que, je vous dis la vérité, tout le monde n'aura pas beaucoup. Je te dis, toi-même qui parles, hein, malgré tout, tout le monde n'aura pas beaucoup. Tout le monde ne sera pas riche. Tout le monde ne sera pas directeur. Mais tout le monde peut avoir l'épanouissement. Amen. Tout le monde peut être heureux. Amen. Tout le monde ne va pas voyager en business. Il y a d'autres même qui ne vont pas voyager. Mais ça ne devrait pas les amener à se sentir inférieurs. Ça ne devrait pas les amener à être malheureux comme si Dieu leur avait raté ou bien avait... Dieu s'était opposé à ce qu'ils aient quelque chose. Remarquez bien dans votre vie, quand vous n'êtes pas, vous êtes triste, vous n'êtes jamais triste parce que votre vie spirituelle n'est pas au top. Vous n'êtes pas triste parce que vous ne maîtrisez pas les Écritures. Mais vous êtes triste parce que j'ai du mal à payer mon loyer. Vous êtes triste et nous sommes tristes parce que ça ne va pas dans mon couple. Je n'ai pas dit ça ne va pas aller dans ton couple. Mais quand on est triste pour tout, sauf pour les questions spirituelles. Sauf pour les questions spirituelles. Mais je m'excuse, hein, mais quand vous remarquez en Occident, le système n'est pas fait pour que les gens soient riches. Tu sais ça au moins, non? Mais le système est fait pour que chacun ait le minimum. Que chacun ne manque pas des besoins primaires. Se loger, manger, se soigner. C'est ça, non, les besoins primaires. Le système en Occident est fait
Ce n'est pas fait pour être riche. La plupart de tes frères et sœurs qui sont en France, c'est pas eux. L'euro est supérieur au CFA. C'est pour ça qu'ils peuvent venir construire des maisons ici. Sinon, ils n'ont pas forcément des vies extraordinaires. Avoir une voiture n'est pas un luxe là-bas. C'est une nécessité. Tu vois? Mais ce n'est pas, c'est pas la richesse, ce n'est pas la haute gloire. La plupart de ceux même qui sont là, même quand ils voyagent, même, ils luttent pour payer un billet en classe éco. D'ailleurs, beaucoup plus moins cher depuis chez eux. Quand tu achètes un billet chez eux, pour voyager, pour aller chez eux, c'est beaucoup moins cher qu'ici. Bon, enfin, beaucoup. C'est moins cher qu'ici. Je ne sais pas si tu me comprends. Mais je veux dire, ils ne sont pas riches. Mais ils ne prient pas pour manger. Tu comprends un peu? Ils n'est pas riches, mais pour se loger là, ça, c'est pas. Mais est-ce qu'on ne peut pas arriver au stade où, quand on a les besoins primaires, on trouve de la satisfaction? J'ai vu que celui qui n'a pas ça là, Dieu ne va pas le rendre riche. Il n'a qu'à faire ses tapages, on n'a qu'à crier dans nos églises. On n'a qu'à faire des déclarations de foi terribles. Le contentement numéro un que Dieu attend de toi, c'est d'être heureux d'abord. Il dit la piété avec le contentement. Ça dit, c'est d'être heureux. En fait, quand il dit, il faut avoir la piété avec le contentement là, tu vois, ça veut dire, j'ai le contentement parce que je suis pieux. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Ça dit, dans la simplicité de la vie. C'est pas ce qu'elle a fait de shopping. Ça dit, fais shopping si tu as l'argent. Mais le fait de ne pas faire shopping ne doit pas te rendre malheureux. Oui, je ne sais pas quoi. Comme si ceux qui faisaient shopping, on dit, il a tout. On dit, il est heureux. Dieu l'a béni parce qu'il a tout. Ton tout dont tu parles là, c'est quoi? Ton tout dont tu parles là, c'est quoi? Je m'excuse, ce que je dis là, je suis en train de dire à quelqu'un de manquer d'ambition. Non, mais je suis en train de te dire que c'est ton trop plein d'ambition qui ne commence pas par le fait d'être heureux de marcher avec Dieu, avec le minimum. Je mange à la ma faim. Je ne peux peut-être pas orchestrer ou organiser un transfert, n'est-ce pas, médical si j'ai des problèmes de santé. Mais je peux me soigner ici. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Je vais aller au CHU. Mais qui t'a dit que celui qui va en clinique est mieux que celui qui va au CHU? Centre hospitalier, universitaire. Non. Il ne se soigne pas, il ne se soigne pas. Si tu peux aller au CHU, ça dit, la vie n'est-elle pas simple? La vie n'est-elle pas simple? Continuons la lecture de notre passage. Allons à la lecture. Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. À la réalité, les amoureux de Dieu s'inquiètent pour leur relation avec Dieu. Amen. Mais les chrétiens non amoureux de Dieu, on va finir de lire le passage. Aujourd'hui, l'église est remplie de chrétiens à la mentalité de païens. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est le passage qu'on lit là. C'est la suite. Il dit, vous vous inquiétez, tu vois, vous vous inquiétez pour votre vie, de ce que vous avez mangé, pour votre corps, même lui qui mange là. Parce qu'il a vu que l'autre mange du caviar, ou bien encore du morue, ou encore des choses de qualité. Il va prendre ça pour aller trouver le Seigneur. Regardez Israël dans le désert. Dieu lui a dit, mais vous dites, vous avez faim. J'ai fait descendre la manne. Vous dites, c'est quoi ça? Et c'est quoi ça? Je me lève tous les jours, c'est manger gaba. Je ne peux même pas manger les vrais repas. Je ne peux pas manger ce que je veux. Mais je mange. Yeah. Mais je mange. Amen. Mais quand même, je mange. Amen. Je ne peux pas acheter des vêtements griffés. Mais je ne suis pas nu. Ça là, tu peux dire ça? Est-ce qu'on peut considérer la vie dans sa simplicité comme ça? Amen. Je ne peux pas acheter les meilleurs produits pour avoir un teint de tchatcholi. Mais je ne sais pas moi, vous, vraiment, c'est travailler son teint quoi. Que mon teint ne shine pas. Mais, j'ai envie de dire, tu ne vis pas? Tu ne vis pas? Les gens ne s'inquiètent pas de ce qu'ils ne mangent pas. Ils s'inquiètent de la qualité de ce qu'ils mangent. Je ne sais pas, sinon, il y a toujours quelque chose. Hein. Je ne sais pas pour toi. Je ne sais pas pour toi. Mais moi, je suis arrivé au stade, je ne sais plus quoi j'ai mangé. Je n'ai pas, quand je parle vraiment, vous là, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Ça dit, aujourd'hui là, mes proches savent que je ne sais pas, je sais plus quoi. Tu me fous tout riz. Il n'y a pas un seul Ivoirien, même milliardaire qui ne mange pas ça. Ouais, je peux boire bouillie, baka. Ou bien bouillie à grains. Là. Puis je suis heureux. Ouais. Dès même hier soir, j'ai bu ça. Il y avait le repas, j'ai dit non. Vous n'avez pas envie d'aller dans la vie, à la vie, dans sa simplicité. Dans la simplicité de la vie. Et puis de trouver du bonheur dans la simplicité de la vie. Laissez-moi vous dire, les enfants même des bas quartiers, vous les voyez jouer, courir, le ventre bedonnant.
Peut-être quelquefois, il n'y a pas de vêtements. Mais ils jouent un vieux ballon. D'ailleurs, quel ballon? Dans leur endroit bizarre. Mais ils sourient, et puis ils courent, et puis ils jouent. Amen. Vous savez, avec Dieu, si tu n'acceptes pas le peu, et si tu n'es pas, Dieu ne sent pas que tu es heureux avec le peu, mais quelle est la raison pour laquelle il doit te donner beaucoup? C'est ça. Quelle est la raison? Pour quelle raison? Donne-moi une seule, donne-lui une seule raison pour laquelle, si tu n'as pas pu tenir avec peu, je t'assure, quand tu vas avoir beaucoup, la même insatisfaction sera dans ton cœur. C'est toi qui ne sais pas. Demande. Pasteur Ephrasie, tu es l'une des dernières, peut-être, dernière, à tête mariée. Ok, tu voulais te marier, tu t'es mariée. On est là. Gloire à Dieu, nous aimons ton mari. Et puis il va bien. Toi aussi, tu l'aimes plus que nous. Gloire à Dieu. Mais tu ne peux pas me dire que où tu es là, tu n'es pas né jusqu'à haut là. Pas à cause de ton foyer. Il y aura toujours des manques dans nos vies. Mm-hmm. Quelle que soit la capacité à pouvoir de Dieu, il y aura des manques dans ta vie. Quelle que soit la puissance des messages et la qualité de l'église que tu fréquentes. Oui. Quelle soit l'onction de ton pasteur. Là même quand tu rentres dans l'avion, les places en écho là sont plus nombreuses que les places en business. Tout le monde n'est pas riche. Dans un gouvernement, même dans un pays, il n'y a pas 100 ministres. Donc si tu rêves de devenir ministre, c'est une trentaine, quarantaine, je ne sais pas. Ailleurs, peut-être c'est 20, 20, 25. Tout le monde n'a pas des ministres. Mais tout le monde peut avoir une vie heureuse. Amen. Mais qu'est-ce qui fait ton bonheur? Je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi Jésus n'est pas, ok, on prend la Bible, tout ce qui concerne l'être humain intéresse le Seigneur. Mais basiquement, dis-moi, depuis quand tu as vu dans la Bible Jésus venir, maintenant, et puis il dit, aujourd'hui on va traiter la question, chers disciples, de comment faire pour réussir dans la vie. Dans ses enseignements, il y a des éléments qui ressortaient, mais aucun même chapitre même n'est réservé à ça. Ça ne te gêne pas? Ça ne te gêne pas? C'est aujourd'hui, on s'intéresse à la qualité sociale et matérielle du fiancé. Sinon, dans la Bible, les gens se marient. Hein? Je t'aime, tu m'aimes, on se marie. Tu es sérieux avec Dieu, je suis sérieux avec Dieu, on se marie. Mais maintenant, ce n'est plus suffisant pour qu'on soit heureux. Il faut un mari de qualité. Mari de qualité correspondant à quelqu'un qui a une bonne situation. Je n'ai pas vu Sarah, quand on parlait de Sarah, quand on parlait des mariages dans la Bible, c'est avec Jacob qu'on a commencé à parler de beauté. Tu n'as pas remarqué? Abraham, le père de la foi. On a parlé de Visa et de Sarah. Je m'imagine que Sarah devait être dangereuse. Gloire à Jésus. Mais ça fait Jacob, on parle d'elle, est belle de visage. Elle n'est pas belle de visage. Tu n'as pas vu? Il allait prendre deux femmes. Dans l'affaire de belle de visage. Je suis en train de dire quoi? Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut aller marier quelqu'un qui n'est pas... Non. Tout le monde est joli. Mais je dis que dans la Bible, les gens n'en étaient pas là quoi. Je t'aime, tu m'aimes. Nous deux, on va construire notre vie. Tu n'es pas paresseux, tu es travailleur. L'homme du commencement, on peut faire une vie. Maintenant, il y a beaucoup de celles qui ne sont pas mariées, pas parce qu'il n'y a pas des frères qui peuvent les marier. Mais la dimension du frère n'est pas à leur hauteur. Peut-être parce que tu as des courbus ou des rayons. Chacun, ou bien tu as un bon teint. Je ne sais pas. Tu vois où on a mené la fin? Le frère, il est sérieux. Il aime Jésus. Il t'aime. Il est travailleur. Mais ce n'est pas suffisant. Je ne sais pas si tu comprends. Mais on complique notre vie. Et puis on veut tirer Dieu dans la complication de notre vie. Et puis quand il ne nous suit pas dans la complication qu'on veut donner à notre vie, on dit Dieu m'a abandonné. Dieu ne m'a pas béni. Non. Non. Récemment, une soeur est venue me voir. Franchement, si on veut raisonner, selon le raisonnement qu'on voit là, on allait dire à la soeur, le frère là, il n'a pas ton niveau. Mais j'ai tellement aimé le cœur de la soeur. La soeur dit, elle dit, si je veux regarder comme l'homme regarde. Je dis justement, il ne s'agit pas de regarder comme l'homme regarde. Il faut regarder comme Dieu regarde. Yeah. Dieu regarde le cœur des gens. Dieu regarde le cœur des gens. Honnêtement, je vais te poser une question. Toi, tu peux tomber amoureuse dans l'église. Hein. Je suis dans l'église. Pour aller au mariage de quelqu'un qui ne brille pas. Ce n'est pas un bluffeur. Ça ne s'habille pas bien. Tout. C'est maman Lily qui a dit
elle a dit en public que aujourd'hui là, les soeurs regardent Pasteur Mohamed, il brille, tout ça là. Mais Pasteur Mohamed n'a pas commencé en brillant. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Oui. Mon pasteur, elle est là, peut-être elle peut raconter mon histoire. Bon, quand même, j'ai shiné. Tu peux reconnaître. Oui, quand même. Non, mais je te dis que, tu vois, donc, ce n'est pas que les fiancés manquent. C'est tes critères qui t'empêchent de te marier. Ce n'est pas que la nourriture te manque. Mais c'est la qualité de nourriture que tu es en train de viser. C'est ça qui fait que tu es triste. Ce n'est pas que tu n'as pas un toit, mais c'est le château dans lequel tu vas habiter, puis le quartier où tu vas aller habiter là. Frère, nous tous on a commencé au Ramblais. Moi-même, je n'ai même pas commencé au Ramblais, j'ai commencé au Carrefour Mauritanie. Mais ce n'était pas mon milieu à l'origine. Là où, avec mes parents, j'habitais, je n'ai pas envie de dire, mais c'était de l'autre côté de la route du Carrefour, tu vois, quand tu prends le boulevard, hein, jusqu'à destin, à gauche là. Il y a à gauche et puis à droite. À droite, il y a Koumassi. Moi, j'étais de l'autre côté. Oui, c'est la vérité aussi. Je ne suis pas venu parler de moi. Mais je dis que quand je devais construire ma vie, je me souviens de la parole. À un moment donné, le Seigneur me dit, bon, tu quittes ici. Quand il m'a dit, tu quittes là, dans cette salle, il y a quelqu'un qui connaissait chez moi. Vous demandez à l'Ape Shinto, il connaissait chez moi, il venait chez moi. Mais quand le Seigneur me dit, quitte, il me dit, tu quittes ici. Il dit, tu quittes. Ça m'a mené au Carrefour Mauritanien. Voici mon histoire avec Dieu. Toi, ton histoire avec Dieu t'a conduit dans quoi? Comme situation qui ressemble à de la rétrogradation. Mais pour écrire ton histoire. Mais pour vous n'avez pas remarqué que les catapultes ou même les lance-pierres, pour aller loin là, on les tire pour aller derrière. On tire ça pour aller derrière. On donne l'élan. Mais l'élan que tu vas te donner pour... L'élan que Dieu veut te donner pour te propulser très loin dans une dimension des hauteurs, c'est l'élan d'abord du contentement. Être heureux. Amen. Avec peu. Amen. Mais s'efforcer de trouver de la joie avec peu. Mais ça dit, on est en paix avec Dieu. On vit une relation d'amour, de romance avec Dieu parfaite. Mais au début avec peu. Et puis on n'est pas malheureux. On est épanoui. Mais si tu ne peux pas être épanoui avec peu, c'est-à-dire, tu vois, peu importe, voilà, c'est-à-dire, apprendre à vivre heureux avec peu, sans s'insurger contre le Seigneur, se révolter contre Dieu, mais tu es heureux. Tu sais pourquoi tu es heureux? Pas parce que tu as peu, tu es heureux parce que, en fait, tu sens que ta vie plaît à Dieu. C'est-à-dire, tu sens que ta relation avec Dieu est top. La Bible dit, aidez-moi. Il dit, nous avons de l'assurance devant Dieu, si notre esprit ne nous accuse pas. C'est pas vrai? Voilà, quelque chose comme ça. Ça veut dire, tu es en paix avec Dieu parce que tu sens la voix du Saint-Esprit en toi qui te dit, Dieu prend plaisir à ta vie. Tu n'as pas grande chose. Ce n'est pas ta fin. C'est un état par lequel tout le monde doit passer, doit accepter de passer. Je suis heureux parce que j'ai Christ. Je suis heureux, pas parce que juste j'ai Christ, pas parce que je suis chrétien, c'est pas de ça que je te parle. Je suis heureux parce que, en fait, ma vie, je sens que ma vie est agréable à Dieu. Amen. Je sens que je vis pour plaire à Dieu. Je vis pour lui être agréable. Mais tant que je sens que je lui plais et que je suis agréable, je suis heureux. Et c'est là d'abord mon épanouissement. Amen. Je vous ai dit, jusqu'à ce que je finisse ce matin, peut-être que vous auriez un problème avec moi. Mais moi-même qui te parle, j'ai un problème avec moi-même. Dans quel couloir on a conduit l'église? Mais ce que je ne peux pas supporter là, ce qu'on ne peut pas supporter aujourd'hui, c'est parce que c'est ce qu'on a décrit. Aujourd'hui, quand quelqu'un est célibataire, le système lui dit que c'est comme s'il est maudit. Il est sous malédiction. Quand quelqu'un n'est pas riche là, c'est comme s'il est maudit. Ça dit, même si on ne le dit pas, lui-même il est convaincu qu'on dirait qu'il y a une malédiction. C'est pas vrai? Oui, parce qu'on a dit que on est béni quand on est riche. On est béni quand tout marche. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais tu ne peux même pas répondre parce que tu sens qu'aujourd'hui, ce qu'il dit ne te plaît pas. Je me souviens, ça dit, j'ai été choqué. On dit, on va vivre d'amour et d'eau fraîche. Oui, vivre avec Christ, d'amour et d'eau fraîche. Au moins, tu as l'eau.
Et puis dans ça là, tu es heureux. Amen. Quelquefois, tu ne peux pas faire de grandes projections par rapport au futur. Tu vois, tu t'assois, tu dis, mais depuis là, je n'ai pas encore une maison. Je continue de louer une maison. Et puis tu es malheureux. Je n'ai pas dit de louer maison jusqu'à la fin. Mais dis, ok, je loue une maison, mais je vis heureux avec mon conjoint. Mes enfants sont là, ils sont en bonne santé, ça va. La vie est simple. Vous ne vous trouvez pas que le bonheur se trouve dans la simplicité. D'abord ça. L'élan que nous devons prendre pour aller le plus loin possible, pour rentrer maintenant dans tout ce que la Bible dit, la vie abondante là. Cet élan là, comment on le prend? En étant heureux avec Christ, même avec peu. Amen. Oui. Même avec le peu, même avec le strict minimum. Mais on est heureux là-dedans. C'est ça. C'est ça. Continuons la lecture et on va prier. Ça va là, voilà. Que le Seigneur nous aide à aller à la simplicité. Mais la vraie question, c'est dans quoi tu trouves ton épanouissement? À partir de quel moment tu dis que tu es épanoui? Et dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez. Mais vous savez quoi? Vous allez toujours vous inquiéter de votre vie. Si votre soif, ce n'est pas Christ. Ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Écoute, tu aurais été heureuse si tu ne pensais pas au sac Prada. Ton problème, ce n'est pas que tu n'as pas ça quand même. Mais tu te prends toi-même pour une gawasse parce que tu n'as pas Prada. C'est pas que tu n'as pas ça quand même. C'est vrai que tu dois changer de level, de niveau. Je suis d'accord. Mais si tu ne montres pas au Seigneur qu'avec ce sac que tu as, si tu maudis le sac que tu as, premièrement, tu vas avoir du stress et de la pression. Tu vas tuer la joie dans ton cœur. Et puis en plus, tu vas aller te plaindre auprès du Seigneur. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Une des choses qui va nous arranger, c'est de vivre sans regarder autour de nous. Et de se concentrer sur soi-même. Yes. Ouais. Ouais. Ma fille, je ne sais pas, toi qui me suis en ligne. Parce que vas-y, tu as connu chez moi quand j'étais au Carrefour Mauritanien. Ok, il était malheureux. Il y avait mon matelas, une chaise. Quelquefois, tu venais faire à manger. Ma fille, bien, qui n'en voulait pas à ma peau. Oui, elle vient faire à manger, tranquille. Je lui donne 2000. C'était beaucoup. Elle fait à manger. Ça dure 2-3 jours. En tout cas, moi, quand tu me vois, je n'étais pas triste. Hein. Je n'étais pas malheureux. Ce n'est qu'une étape dans un processus. Mais il faut que tu acceptes que le processus commence là où il doit commencer. Oui. Il y a des gens qui sont devenus riches, pas parce que leurs parents étaient riches. Donc, c'est comme si, dans leur histoire, la richesse dans leur famille va commencer à eux. Ça commence toujours quelque part. Oui. Retournons. Ça dit, prions le Seigneur. Je veux que tu me laisses mon verset en face. Mais dis au Seigneur, donne-moi de retourner à la simplicité de la vie et à trouver du bonheur. N'est-ce pas? À être en paix avec toi, même avec peu. Élève la voix et prie le Seigneur. Pardonne-moi de retourner à la simplicité de la vie. Seigneur, donne-nous de retourner à la simplicité. Pas comme étant une destination finale, mais comme une étape dans le processus qui nous conduira à la destination finale. Donne-nous des cœurs qui ne sont pas malheureux à cause de ce qui nous manque, mais des cœurs qui sont heureux à cause de ce qu'on a. Ma chérie Baha, l'autopahaya, Melia l'osotopara. C'est clair que nous finirons, ô Dieu, par accumuler en son temps des richesses, des biens.
Mais Seigneur, ne nous emmène pas à être malheureux parce que nous n'avons pas la qualité de ce que nous voulons. Nous voulons te bénir pour déjà le fait de ce que nous avons. Amène-nous et conduis-nous dans la simplicité de la vie. Shalabalos. À la simplicité de la vie. Je les balos, si malos. Je les balais, si maya. Local, les brandos, au pigia, c'est belé balos. Mama, mama, yos. Soupirando, soto, maya. Les brandos, soto, maya. J'ai les kataya. Les bré, les malos. Alléluia. En fait, ce qui doit compter, en fait, l'amoureux de Dieu, ce qui compte pour lui, ce qui compte d'abord pour lui, c'est est-ce que sa vie plaît à Dieu. Amen. C'est est-ce qu'il est agréable au Seigneur. Amen. C'est d'abord ça. Ça, ça peut le rendre malheureux. Mais si ça, ça ne te rend pas malheureux, mais tu es malheureux parce que tu ne manges pas ce que tu veux, tu n'es pas, tu es un chrétien. En fait, tu es un païen. Tu es un chrétien à la mentalité de païen. Lisons la suite, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie et le corps plus que le vêtement. Chers camarades, donne-moi la suite du verset. Regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent pas dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que... On peut lire la suite. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut-il ajouter une coudée? Qu'est-ce qui m'arrive? Qui de vous, par les inquiétudes, peut-il ajouter une coudée à la durée de sa vie? Mais tu sais quoi? On ne choisit pas de ne pas s'inquiéter ou de s'inquiéter. C'est la soif que tu as dans ton cœur qui va amener l'inquiétude ou qui va te donner une vie worry-free living, une vie sans stress. Tu sais quoi? Si ta soif, ta poursuite, c'est Christ, tu ne seras pas stressé. Mais si ta poursuite, ce sont les choses, je te garantis une vie de stress jusqu'à ta mort. Ouais. Mes propos sont secs. Mais c'est la vérité, en fait. Il dit, considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Et cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à plus forte raison, gens de peu de foi? C'est-à-dire, vivre avec l'espérance, c'est déjà une grande victoire. Vivre avec l'espérance. L'espérance, c'est rêver positivement l'avenir. Et l'espérance n'est plus espérance à partir du moment où on la vit. Une espérance, c'est espérance parce qu'on ne l'a pas encore vécu. C'est une projection dans le futur qui dit, aujourd'hui n'est pas forcément très intéressant. Je rends grâce au Seigneur. Ma relation avec Dieu, ça va. Je suis en bonne santé. Je n'ai pas tout ce que je veux. Mais Dieu va me donner. Tu vas me donner, c'est un jour. J'entends quelqu'un qui dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il faut laisser jusqu'à quand? On dit, voici une logique dans laquelle il faut s'inscrire. Déjà ça. Ce n'est pas encore tout ce que je veux dans mon foyer. Mais Dieu va me donner ça. Tu vois, ben Dieu va me donner ça. On dit, ne vous vêtira-t-il pas plus? Si Dieu... Verset suivant. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Il dit de ne pas dire ça. Le Seigneur dit de ne pas dire ça. Bon, moi, je ne sais pas. Il dit de ne pas dire ça. J'entends quelqu'un qui dit, mais est-ce qu'on peut vivre sans dire ça? Toi, tu contestes le Seigneur. Toi, tu peux discuter avec le Seigneur. Il dit de ne pas dire ça. Il dit, ne vous inquiétez point, ne dites pas. Il dit, ne dites pas. Que mangerons-nous? Ça veut dire quoi? Ce qu'il y a à manger, on va manger ça. Gloire à Jésus. Mais ce n'est pas ta faim, c'est une étape d'un processus. Yes, sir.
Ce qui a à boire, là, on va boire. S'il y a à manger, on mange. S'il n'y a pas à manger, gloire à Jésus. Ce jour-là, on va rester ventre creux. Oui, ça n'a pas tué quelqu'un. Hein? Ça n'a pas tué quelqu'un. Mais pourquoi avant de faire rentrer Israël à Canaan, Dieu les fait passer par le désert? Oui, il fallait prier pour tout. Tu es dans la période du désert, ça là, tu penses que tu es maudit. Tu penses que Dieu t'a fait des blocages. Il ne t'a pas fait des blocages. Il est juste en train de te faire prendre ton... Ça s'appelle quoi? Ton élan. Il est juste en train de te faire prendre ton élan. L'élan qui va te propulser. Tu dis non, je vais y aller sans élan. Je vais faire une course, un saut en hauteur sans élan. Ah, toi aussi, même avion prend élan. Pour monter plus haut là, on prend son élan. Et puis vous remarquez l'avion, quand il quitte la piste d'atterrissage, il ne commence pas à rouler vite, vite, vite. Il s'en va un peu, progressivement. Après, il accélère sa vitesse avant de monter. Il doit monter. C'est sa fin, c'est sa destinée. Il va monter. Une chose est certaine, il va monter. Mais avant de monter là, il accepte d'aller doucement, doucement. Excusez-moi mon français ce matin. Il va aller petit à petit. Mais si dans ta tête, tu n'admets pas ça, tu ne vas pas aller loin. Tu seras un frustré éternel. Tu ne peux pas monter sans élan. Voilà. Et puis on a qu'à te dire la vérité. Même nous tous qui te prêchons que tu vas être dans l'abondance, l'abondance n'a pas commencé en un coup. Même si c'est un processus. Pour beaucoup, c'est un processus. Dieu fait grâce à qui il veut. Qui t'a dit qu'on devient grand un jour? Quand tu es né là, le jour où tu es né là, tu es devenu grand en même temps. Tu n'as pas remarqué que Adam, dans le jardin, quand il est né là, il est devenu grand en même temps. Tu n'as pas vu où sa vie est finie? Ça, c'est le premier Adam. Tu as vu, on t'a expliqué la croissance. Quand Adam est né, il était déjà homme. C'est pas vrai? Il était en possession même de ses mariés. C'est pas vrai? Tu as vu Adam bébé? Le Adam du jardin d'Éden, là, tu l'as vu bébé? Tu l'as vu bébé? Il est né déjà grand. Mais tu as vu comment il a fini? Loin de Dieu. Loin de Dieu. C'est pour ça que quand Dieu fait venir le dernier Adam, il naît bébé. Il va étape par étape. Et puis il n'a pas échoué. Oui. Avant de pouvoir avoir ta propre maison, tu vas louer. Avant de pouvoir louer la maison sans stress au début, il y a des mois où tu auras du stress. C'est la vie. Ce n'est pas une malédiction. C'est le processus de la vie. Mm-hmm. Tu n'es pas maudit. J'ai dit à quelqu'un qui me suit, tu n'es pas maudit à avoir une vie qui semble ce que tu appelles une vie difficile. Ma vie n'avance pas. Ma vie n'avance pas. On n'a qu'un seul mot à la bouche, blocage. Les mots les plus célèbres dans la bouche des chrétiens, c'est blocage. J'ai des blocages. J'ai des blocages. Tu n'as pas de blocage. Tu es dans le processus. Amen. Avant de prendre l'avion, il faut prendre... Oh, quoi? Avant d'avoir ta propre voiture, il faut prendre le transport en commun. Ça fait quoi? Tous ceux qui prennent le transport en commun, ils sont maudits. C'est qu'on dette est dedans. Hein? Non? Je peux continuer ma lecture? Là où je l'ai laissé. Quelqu'un aime-t-il... Il dit, dans le verset 31, ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Il dit, de quoi serons-nous vêtus? Il faut te vêtir. Ça dit, que mangerons? Ce n'est pas qu'est-ce qu'on mange, c'est que mangerons. Ça veut dire que pendant qu'il s'amène dans l'assiette en train de manger, il pense au prochain repas. Dieu dit, apprécie chaque chose dans son instant. Apprécie l'instant T. Il faut apprécier l'instant T. Tout le monde doit préparer son avenir, on est d'accord. Mais apprécie le présent. Mais c'est comme un enfant qui veut marcher et puis il ne veut pas faire quatre pattes. Souvent, les enfants qui essaient de marcher, c'est mélange les pieds. Pourquoi? Parce que au lieu de marcher, il veut courir. Il veut marcher, courir en même temps. Donc, c'est mélange les pas. C'est comment tu te mélanges les pas dans la vie. Et puis, tu en veux à Dieu. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. On va se mettre ça une bonne fois pour toutes en tête. Ce n'est pas camarade de quelqu'un. Ça va, il est relax. Un papa relax que tu as fait du bruit. Ce n'est pas le camarade. Ce n'est pas ton camarade. Tu n'as même pas commencé à faire quatre pattes, tu veux marcher, courir en même temps. Et puis quand tu tombes, tu dis non, je suis tombé. J'ai des problèmes. J'ai été attaqué par Satan, je suis tombé. Tu n'es pas tombé. Tu essaies de courir sans avoir appris à marcher. C'est tout. Tu essaies de devenir grand sans avoir jamais. La bénédiction du Seigneur, elle enrichit. Parce que quand elle vient, tu peux la gérer. Quand elle vient là, tu peux la maîtriser. Celui qui avait 5 000 francs, s'il se retrouvait 7 millions, je t'assure que le gars, là, il a des problèmes.
au début, il a des problèmes. Il va avoir des problèmes. Ça va être des soucis, de nouveaux soucis. Ce matin, vous n'êtes pas content. Je suis en train de te dire, si tu vas arriver à aimer Dieu, là, parce qu'on dit aimer, là, si tu vas arriver à aimer Dieu, il faut enlever l'attachement aux choses dans ton cœur. Amen. Amen. Il dit, de quoi? Bon, verset suivant. Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Oh, ok, donc l'église est remplie de païens. Qu'est-ce qu'on va manger? De quoi? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais voyager? Qu'est-ce que va devenir mon avenir? On dit, tous ceux qui pensent comme ça, là. Il n'a pas dit, tu es un païen. Mais il dit, tu es un chrétien à la mentalité de païen. Les païens, le monde, ils n'aiment pas Christ. C'est pour ça que ça ne décolle pas. Ça dit que ce sont les choses que tu cherches ou bien c'est Christ que tu cherches. Christ donne les choses. Il faut bien le trouver. Travaille ta relation. Sois heureux de ce que tu pries, ta vie de prière. Tu as une bonne vie de prière, bonne vie de méditation. Le peu de santé que tu as, tu sais, même si tu te plains de ta santé. L'apôtre Paul, il a servi avec une charge dans le corps. Il y a des gens qui ont un problème de santé puis ne peuvent pas s'élever. Toi, tu as un problème de santé, mais tu peux t'élever. C'est-à-dire un niveau. Oui. Sinon, il y aura toujours quelque chose qui va coincer dans ta vie pour que Dieu soit Dieu. Il dit, toutes ces choses sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il sait. Il sait. Ce n'est pas qu'il ne sait pas. Certains veulent prier pour dire à Dieu qu'ils ont besoin de manger. Dieu sait. Bien sûr, par la prière, on doit faire connaître nos besoins à Dieu. Mais sinon, Dieu sait. On dit, il sait. Il sait que tu dois voyager. Il sait que tu dois être en bonne santé. Il sait. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez Dieu. Cherchez la présence du Seigneur. C'est à là que nous en sommes. Le temps est quasiment accompli. Mais il nous dit que la raison pour laquelle nous sommes malheureux, la raison pour laquelle nous sommes sous stress, pression, toutes ces choses, c'est parce qu'au lieu de chercher Dieu, on a cherché les choses. Au lieu de chercher Dieu, parce que celui qui trouve Dieu trouve les choses. Dans Dieu, là, il y a les choses que tu veux. Mais tu peux aller aux choses directement ou bien aller à Dieu pour avoir les choses. C'est un choix. C'est une décision. Élevons la voix, prions. Dis, Seigneur, que mon épanouissement ne soit pas associé à l'obtention de toutes ces choses que je vise. Mais crée en moi un cœur qui s'épanouit de te connaître, d'être en paix avec toi, de faire ta joie, de travailler à ta volonté, d'avoir ton cœur. Élève la voix et prions le Seigneur. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un a-t-il passé un bon moment ce matin dans la présence de Dieu? Quelqu'un me disait, il dit, pasteur, c'est vous qui nous avez dit, on a visé grand, rêver grand, viser haut. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce qui se passe, c'est qu'on a compris que viser grand, rêver grand, viser haut, là,
pour y arriver là. Le bon chemin. C'est tout. Sinon, on n'a pas changé. On n'a pas dit de vous rêver petit. Et puis de viser minimum. Non. On dit commence par le commencement. C'est tout. Alors, donc, tout à l'heure, avant de... Il est l'heure, hein? Avant de partir, on va, pour ceux qui le souhaitent, dans cette salle, faire leurs offrandes, n'est-ce pas? Voilà. Si vous me demandez en ligne comment faire, bon, le but, ce n'était pas qu'en ligne, vous puissiez semer. Maintenant, si vous voulez semer, mettez, je ne sais pas moi, l'information que vous savez dans le fil d'actualité. Mais en tout cas, si vous suivez, que vous êtes béni, gloire à Dieu. Ça nous suffit comme ça. Voilà, mais dans la salle, si vous voulez apporter au Seigneur, apporter. Aujourd'hui est un jour particulier. Voilà, aujourd'hui c'est le jour anniversaire, n'est-ce pas, du pasteur N. On peut acclamer le Seigneur. Hey, acclame bien. Bon, enfin, j'ai oublié qu'on est en présentiel en ligne. On peut le dire. La réalisation est un problème. Voilà. Pasteur N va s'avancer en s'assurant. Bon, on va briser les protocoles. Viens, avance-toi. On peut chanter, s'il vous plaît. Voilà, elle va s'approcher. On peut acclamer le Seigneur. Je demande si on peut acclamer le Seigneur dans la salle. Voilà. Pasteur N, cette caméra. Voilà. Est-ce qu'on va acclamer? Enfin, on peut, est-ce qu'on va acclamer? Joyeux anniversaire. Ben, il serait bien que tu doubles ton âge. Alléluia. Voilà, on se retrouve dans... On se retrouve dans le double de ton âge. Voilà, voilà. On se retrouve des années devant. Que Dieu te donne longue vie. Amen. Voilà, que la main du Seigneur soit sur toi. Voilà. Que Dieu te donne d'accomplir tous tes rêves. Amen. Tous tes rêves. Mais Dieu, qu'ils sont nombreux. Alléluia. Que Dieu te donne d'accomplir tous tes rêves et de rire autant que tu veux, à gauche déployée et à dents exposées. Sois béni, au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. 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 Ben, en ligne, Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée. On se retrouve demain pour matin. Miracle avec les premiers-nés.